enfin mon appartement à seulement 16 ans. Bien évidemment, c'est totalement faux. Je n'ai pas d'appartement. Ma mère a déménagé et aujourd'hui, je vais vous présenter l'appartement finalement dans lequel je vais vivre une semaine sur deux. La personne qui me filme, c'est ma sœur. Tu peux faire un petit coucou. Salut ! Non, on peut refaire s'il te plaît, c'était très gênant. Salut ! Salut ! Salut ! Bon bref, en tout cas là, je vais vous présenter un petit peu l'appartement, donc je m'excuse d'avance si c'est un petit peu le bazar, on vient tout juste d'emménager. Mais en tout cas, je vais vous montrer en globalité comment se présente l'appartement, et surtout mon setup, parce que ben, maintenant mes vidéos, je vais surtout les faire ici. Donc voilà, c'est parti, on peut commencer. Déjà, là, comme on peut le voir, nous avons un petit œillère. Comment ça s'appelle? Quelque chose pour voir les gens de dehors, voilà. C'est génial. Coupe-feu, c'est bien, ça coupe le feu. Donc ici, nous avons... Bah en fait je sais pas. Je sais pas ce que nous avons et en plus. Ouh là là. On a été d'y toucher avant de faire une énorme bêtise. Là, on est dans l'entrée. Je commence par quoi? Ici. Ok, donc là, je vais vous montrer le séjour. Donc c'est parti, tu peux la montrer. Donc voici le séjour, comment il se présente. Le séjour, bon, le salon, le coin chill on peut dire. Ici on a une télé, pas fifou fifou, mais ça va. Ensuite, la petite switch sur laquelle je peux vous faire des vidéos dessus. Donc voilà. Donc là, bah tout ce qui est canapé, ici une petite chauffeuse. Elle est confortable ou pas? Je l'ai pas testée. Bah déjà elle est toute douce et bah en vrai ça va, mais c'est pas comme un lit quoi. Ok, suis-moi, suis-moi. Ah! Petit aspirateur. Non mais attends, filme-moi quand même parce que c'est une révolution dans notre vie, ça on est d'accord. C'est plus les lourds aspirateurs que tu dois porter et c'est chiant. Non, non, aspirateur sans fil les gars. Il y a des petits phares à l'avant mode. Je tiens aussi à préciser que l'appartement était non meublé, donc on a du tout meublé, à part bien évidemment la cuisine, les toilettes, enfin les trucs un petit peu logiques. La proprio nous a laissé des lustres, c'est important de le dire. On a oublié de présenter un truc. Venez voir, venez voir. Petit téléphone, iPhone 11 Pro Max. En blanc, bien sûr. En vrai, c'est un petit truc qui permet de savoir qui sonne chez toi. Donc là, il y a une petite caméra qui s'affiche quand on sonne chez toi. Ça, c'est pour ouvrir. Donc si tu veux pas ouvrir, bah t'appuies pas sur le bouton et puis tu peux communiquer avec eux en mode « Bah désolé, tu peux pas rentrer. » Et la personne ne peut pas te répondre. Elle est dans le froid. Et enfin, pour finir, le lieu dans lequel je vais passer beaucoup de temps quand même. C'est la cuisine. Donc voilà la cuisine dans laquelle nous mangeons. On est trois à manger, c'est un petit peu just de manger là-dessus. Mais en vrai, c'est plutôt pratique, je trouve, ça prend très peu de place et c'est toujours très joli. Voilà, c'est une cuisine, hein. Je vais pas vous la présenter avec tous les tiroirs, c'est une cuisine normale. Donc là, je vais tout de suite passer à tout ce qui est chambre, bah tout le reste. Donc là, les amis, nous allons passer aux endroits les plus intéressants de l'appart, je pense. Donc c'est parti, venez avec moi, je vous emmène. T'auras pu remarquer que j'ai fermé vraiment toutes les portes comme ça. Il y a 100% de suspense. Est-ce que je commence par ma chambre? Non? Ok, on attend pour la fin alors. Dans cet appartement, on a un point fort, entre guillemets, c'est qu'on a une buanderie. Bon bah voilà, hein, après, y a rien d'exceptionnel. C'est... Oui, non mais on vient, je dis, oui, on est d'aménager, donc c'est normal. Dans toutes les pièces, il y a de la bouffe, c'est normal. Voilà, machine à laver, etc. Tous les petits trucs du quotidien dont on a besoin sont rangés ici. Et c'est vraiment un gain de place ici, comme on peut le remarquer. Petit tiroir à chaussures. On va passer aux toilettes quoi. Bah les gars, écoutez, voilà, je vous présente nos toilettes. J'ai une petite question. Pourquoi il y a une prise juste en dessous de l'interrupteur? À quoi ça sert? Dites-le moi dans les commentaires, faites vos suppositions. Donc voilà, des toilettes basiques, simples. Donc là, on va passer à la chambre de ma petite sœur. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, à nous noter la décoration de ma chambre et de celle de ma sœur. Et voilà la chambre de Jade. Donc, chambre de préadolescente, on peut dire. On peut remarquer juste ici un petit bureau, petite décoration. Je sais pas trop ce que t'as essayé de nous faire, mais c'est stylé. Ici, petite table de chevet, voilà. Donc là, voilà son lit et l'armoire. Une armoire pas très chère, mais moi j'aime bien ce style d'armoire. Donc là, on va entrer dans la salle de bain. On a deux lumières. Une lumière en général et une petite lumière juste ici. On croirait pas, les gars, mais ça t'explose la tronche le matin. Donc la douche, je suis assez satisfaite. Voilà, moi je sais pas quoi dire dessus, c'est une douche. Du coup, ici, on a un sèche-serviette. Par contre, ça consomme de malade. En vrai, je vous dis, ouais, c'est trop bien, on a ça. On ne l'allumera jamais. En fait, c'est une salle de bain relativement basique, en fait. Il y a vraiment le strict minimum dans cette salle de bain. Et enfin, pour finir, le moment que vous attendez le plus, peut-être, ma chambre à moi, où il y a mon setup gaming, le lieu où je tournerai maintenant quasiment toutes mes vidéos, le lieu où je dors, le lieu où... Tu travailles? Oui, je travaille. Non. Donc voici my room. Là, je voulais faire stylé, tu sais, parler anglais, mais ça... Non, 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 ça marche pas. On va commencer par le setup après. Donc on va commencer par le moins important, l'armoire.
C'est un petit peu le même style que ma petite sœur, mais en un petit peu plus grosse. Donc voici mon lit. Donc lit très basique, mais que j'adore. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que toute la simplicité fait la beauté de la chose. C'est un petit peu beau ce que j'ai dit, non? Pas trop. Juste ici, il y a ma table de chevet, hein, là où je dépose les capotes, les baffes Bluetooth. T'as dit quoi, Manon, là? Les baffes Bluetooth. Et donc, pour finir, je vais vous présenter le lieu le plus intéressant, mon setup. Tu peux filmer, caméraman, je t'en prie. Vous pouvez remarquer que c'est censé être un bureau pour travailler. Il n'y a que ça qui est lié au travail. Vraiment, tout le reste, c'est le gaming. Je suis dans l'abus. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que je décris un peu trop mon setup. Je pense que... Tu devrais faire une vidéo setup. Exactement. On a oublié quelque chose. Ça, nous, de base, on vit dans la campagne. On n'a pas habitude de la technologie de la ville, on est d'accord? Bah ça, c'est une révolution pour nous. Un truc qui ferme ton volet tout seul en appuyant sur un bouton. Moi, chez moi, j'ai la manivelle et je fais ça. Donc, il va faire hyper froid, je suis en short en plus. Je suis en manche courte. Ok, vas-y, viens. Non, c'est pas grave, on est des bonhommes, hein, t'es d'accord? Ouais, on est des bonhommes. Donc voici le balcon. En fait, le balcon il rejoint ma chambre, la chambre de ma petite sœur et le salon qui est juste derrière. Donc bien. Ici donc on a la chambre de ma petite sœur et juste là-bas on a le salon. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si tout simplement vous voulez une vidéo de mon setup. Bref, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Salut.